Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour l'ouverture de calendrier de l'Avent de Nathalie et Brigitte. Et on se retrouve avec le numéro 11. Alors, hier, j'ai commencé avec le numéro 10 de Brigitte, si je me trompe pas. Après, je risque de me tromper hein, dans le sens des ouvertures, mais là, je sais qu'hier, c'était Brigitte, donc aujourd'hui, je vais faire l'ouverture de Nathalie. Donc on va commencer du coup, j'ai vu que le numéro 11 était ici, par la petite boîte. Oh là là, ça a l'air d'être encore trop joli ce qu'il y a dedans. Alors, on a des fleurs comme celle-là. Ces fleurs-là, franchement, je les adore. Alors. Ah, bon, il y a une pétale qui s'est mise en dessous. Enfin, un pétale. Enfin. L'autre pétale qui s'est mis tout. Donc on a des fleurs comme ça. Et ensuite dans le sachet, on a des fleurs. Hop là. Alors, je vais juste essayer de vous les mettre correctement. On a des fleurs comme ça qui ont l'air d'être en tissu. Voilà, trop joli. Ça passe partout, les fleurs, franchement. On a un embellissement en bois avec un oiseau sur un feuillage. J'adore. Sur une branche avec des feuillages. On a ces perles en fleurs. Alors, hop, je vais prendre la petite boîte. Elle va commencer à être trop petite ma boîte. Il va falloir que j'en prenne une autre. Donc l'embellissement, on va le mettre là. Dans tous les cas, il va falloir que je retrie tout après. Et on a deux très jolis nœuds. Donc des brads. Enfin, pff, des brads. J'en veux avec les brads. Des charmes. Des charmes nœuds. Franchement, ils sont juste trop beaux. J'adore. Ils sont un peu nacrés. Rose et bleu, franchement, j'adore. Merci, merci, merci. C'est vraiment adorable. J'adore. Faut me gâter trop. Et ensuite, j'ai pris un petit paquet comme celui-là. Je vous dis, je change. J'essaye de changer un petit peu les emballages. Alors, je voudrais pas tout casser. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ça sent trop bon. Alors, c'est, je pense, un sachet d'armoire. Sachet des eaux d'horizon. Moi, je pense que c'est pour les armoires. Franchement. Vous avez pas l'odeur. Alors, il y a pas écrit devant, il y a juste écrit ça. Et pourtant, il est emballé hein, dans du plastique. Mais je sens l'odeur à travers, malgré la crève. Et franchement, c'est juste trop bien. Alors, est-ce qu'il y a un parfum d'écrit? Puis avec mes yeux. Non, il n'y a pas. Il n'a pas l'air d'avoir de parfum d'écrit, mais ça sent trop bon. Franchement, j'adore. Lui, il va aller tout de suite dans mon armoire. Aussitôt la vidéo, il va aller dans mon armoire. Et je ne vous ai même pas montré son emballage. On a encore ce joli washi. Il est juste trop beau. J'adore. Et ensuite, bon, on a des die cuts comme ça. Voilà. Franchement, c'est juste adorable. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais me shooter avec eux. Ça sent vraiment trop bon. Je sais pas c'est quoi le parfum, mais c'est juste trop bon. Ça sent juste trop bon. Ensuite, on va passer du coup à l'ouverture de Brigitte qui m'a fait un petit emballage.
avec le numéro 11. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Waouh, faut en profiter, hein. Bientôt on n'en aura plus. On a du coup des paillettes et des flocons de neige. Alors, il y a l'air d'y avoir des flocons blancs et des flocons argentés. Ça, c'est juste trop top. Pour mettre sur les créas de Noël, c'est juste trop bien. Alors, je vais les ouvrir. Hop, j'essaye de ne pas faire trop de bruit. J'essaye d'aller vite. Voilà. Donc, on a de la paillette argentée. Ça, c'est top. Ça, je ne comprends même pas pourquoi ils nous les retirent. Je pense qu'il y a d'autres choses à retirer avant de retirer les paillettes, mais bon. Bref, on va pas polémiquer. Et donc, on a du coup ces flocons blancs et argentés. Voilà. C'est juste top. Et on peut même peut-être en glisser sur des bijoux, parce que je vois qu'ils sont percés au centre. Donc, on peut peut-être en glisser sur des bijoux. Ça pourrait être sympa. Bijoux de tranche avec des petits flocons, ça peut être sympa. Mais écoute, merci, merci, merci. Les filles, vous êtes vraiment au top. Voilà, une fois de plus. Pardon. Une fois de plus, bah, je n'ai pas de mots. C'est juste adorable. Et je vous dis, ouais, l'année prochaine, si vous le souhaitez, on en refait un. Mais cette fois-ci, faut s'y prendre à l'avance. Parce que bah avec 3 enfants à la maison et puis la chaîne qu'il faut alimenter, bien sûr, hein, j'adore vous créer du contenu, donc j'y passe pas mal de temps. Donc voilà, faut que je puisse avoir un peu de temps à côté et créer plein de petites choses sympas. J'ai déjà des idées. Franchement, là, vous m'avez trop donné des idées. C'est enrichissant. C'est ce que j'aime dans les échanges. Bah, c'est les premiers, vraiment les tout premiers échanges que je fais. Hein. Même niveau ATC, j'ai jamais fait d'échange. Là, j'ai eu une proposition, mais j'attends que les fêtes se passent. Parce que voilà, avec les marchés de Noël, les loulous, il va y avoir les vacances scolaires, tout ça, donc j'attends que les fêtes se passent et après voilà. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est que j'avais jamais, mais vraiment jamais fait d'échange avant, que ce soit niveau échange ATC ou quoi que ce soit, j'avais jamais, jamais, jamais fait d'échange avant. Et je trouve ça super enrichissant, voilà, c'est top, voilà, je sais pas comment décrire ça, mais c'est... Ouais, c'est enrichissant, voilà, c'est des expériences que j'avais pas osé forcément avant, et puis bah, j'avais pas non plus de contact forcément de scrappeuse avant, Et depuis que j'ai cette chaîne, voilà, je fais des rencontres virtuelles juste extraordinaires. Vous êtes toutes bienveillantes et ça, c'est juste énorme. Tous les petits messages que je peux recevoir, les commentaires, voilà, certaines personnes commentent vraiment toutes mes vidéos. C'est juste hyper touchant, voilà. Je perds les mots une fois de plus, mais voilà, je pense jamais j'aurais pensé quand j'ai ouvert cette chaîne le 4 mars, jamais j'aurais pensé évoluer comme ça et avoir autant de personnes extraordinaires autour de moi, virtuellement bien sûr. Jamais j'aurais pensé être aussi touchée par vous. Enfin voilà, c'est juste énorme. Et je vous en remercierai jamais assez. Au début, je m'étais dit, voilà, j'ouvre cette chaîne, mais voilà, ça marche pas, tant pis, quoi. Et quand je vois
Là, début décembre, enfin le 11 décembre, on n'est quand même pas très très loin des 2000 abonnés, même pas un an après l'ouverture de la chaîne. Donc c'est juste extraordinaire. Voilà, c'est et tout ça c'est grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre gentillesse, c'est grâce à vos interactions sur mes vidéos. C'est juste un petit pouce, juste un petit commentaire, bah c'est pas grand chose au final, et moi ça me fait hyper plaisir parce que bah, de vous lire lire toutes vos gentilles paroles, c'est juste trop 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 adorable. Et en plus bah, ça me fait avancer puisque ça me place dans l'audience de YouTube. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, ça fait bouger ma chaîne, quoi. C'est juste top. Voilà. Bon, je pense que cette fois-ci, je vais vous laisser. J'ai assez blablaté, mais voilà. Une fois de plus, c'est pour vous dire que tout ça me touche et que voilà, je vous en remercierai jamais assez. Voilà. Je vous fais plein, plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.